Le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu devient maître à Léopoldville. Monsieur Joseph Kasavubu est destitué de ses fonctions de président de la République. 2. Monsieur Evariste Kimba, député national, est déchargé de ses fonctions de formateur du gouvernement. 3. Le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Curieusement, ce coup d'État est bien accueilli par la population. Il apparaît comme l'homme providentiel face au chaos ambiant. Quelque temps après, Joseph Désiré Mobutu va livrer Patrice Emery Lumumba à son pire ennemi, Moïse Tshombe. Le 14 février 1961, le monde entier et l'Afrique en particulier apprennent, abasourdis par les ondes des radios internationales, la mort de Patrice Emery Lumumba. Celui qui rêvait d'un État panafricain a été assassiné aussitôt arrivé au Katanga. Mobutu est désormais débarrassé de ce personnage encombrant qui lui a pourtant mis le pied à l'étrier. Il est le seul maître à bord du navire Congo. Dès l'année 1966, Mobutu, qui tient bien les rênes du Congo, rebaptise la capitale de son pays. Léopoldville devient Kinshasa. Pour bien marquer son autorité et étouffer toute velléité de sédition, il convie la population congolaise à un spectacle macabre. La pendaison publique de l'ancien premier ministre Évariste Kimba et ses compagnons accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Cette politique de l'exemple va se poursuivre en 1968 avec l'exécution du rebelle Pierre Moulélé, rentré au Congo à la suite d'artificielles promesses d'amnistie. Sur le plan économique, le président Mobutu s'avère être un nationaliste pur et dur. Il arrache dès le départ tous les secteurs importants de l'économie que contrôlaient les Belges, notamment l'union minière du Haut-Katanga qui s'occupait des mines de cuivre et de cobalt. Il nationalise au passage le secteur des assurances dominé par les Belges. Bref, il enlève le pain congolais de la bouche des ex-colons, comme il le disait lui-même. Une insolence qui va lui valoir une opposition farouche des Belges. En 1967, le président Mobutu frappe une nouvelle monnaie, le zaïre. À cette époque, compte tenu de la richesse et du potentiel du pays, un zaïre vaut 2 dollars, soit environ 1300 francs CFA d'aujourd'hui. 2 dollars valent actuellement plus de 10 millions de zaïres. Faites-vous-même le rapport. La même année 1967, une rébellion éclate dans l'est du pays. Une fois de plus, le Congo oriental est le théâtre de combats, Lynn Brière. Le gouvernement de Kinshasa annoncé que des soldats katangais partisans de M. Tshombe s'étaient mutinés et avaient pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Kivu. En même temps, des mercenaires étrangers arrivés par avion ont occupé l'aérodrome de Kisangani, l'ex-Stanleyville. Le général Mobutu, président du Congo Kinshasa, a proclamé l'état d'urgence. Il fait appel au Conseil de sécurité et à l'organisation de l'unité africaine contre les agresseurs. Et là, je vous propose d'écouter la voix du général Mobutu lorsqu'il s'est adressé au pays. C'est un document que nous avons pu obtenir grâce à l'Office de coopération radiophonique. Citoyennes et citoyens, depuis ce matin, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, est victime d'une agression impérialiste. En effet, dès 6h30, heure de l'Est, deux avions non identifiés ont atterri à Kisangani et y ont débarqué des commandos étrangers qui occupent l'aéroport. Dans le même temps, à Bukavu, des colons étrangers se constituaient en milice et attaquaient les positions de nos troupes. La situation est donc très tendue dans les deux villes que défendent vaillamment nos soldats, victimes d'une agression étrangère. Conformément à l'article 54 de la Constitution, nous avons décrété l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national. On confirme de sources diplomatiques que les rebelles contrôlent maintenant complètement la ville de Bukavu. Quant aux mercenaires étrangers débarqués ce matin à Kisangani à bord de deux avions, ils sont, déclare Radio Kinshasa, des agents de l'impérialisme, mais aucun nom de pays étranger n'a été prononcé. À Bruxelles, le ministère des Affaires étrangères annonce que les aérodromes belges sont surveillés depuis quelques jours déjà et qu'aucun départ d'avion correspondant aux caractéristiques données par Kinshasa n'a eu lieu ces derniers jours. Mais déjà, des manifestants congolais ont envahi le siège du consulat de Belgique à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Il n'y a pas eu de blessés. Et puis ce soir à Bruxelles, on parle d'une mutinerie d'une partie de l'armée nationale congolaise. Ce sont des rumeurs qui circulent avec insistance.
Oui, dans les milieux informés des affaires congolaises à Bruxelles, on est persuadé que les nouveaux événements du Congo sont le fait d'une mutinerie de l'armée nationale congolaise ou bien des militaires étrangers qu'elle compte dans ses rangs. Pour mettre fin à cette rébellion, Mobutu, dont l'armée est à bout de souffle, fait appel à des mercenaires dont un certain Bob Denard et un autre Jean Schramm. En 1970, Joseph Désiré Mobutu semble avoir réussi à pacifier et unifier son pays. L'année 1971 marque le début d'une politique dite de l'authenticité. Un principe a toujours guidé notre action, celui de l'authenticité. Celle-ci se manifeste en politique par le refus catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque, et sur le plan économique, par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de l'orientation de notre économie. Ancien journaliste, je connais le goût de la presse pour le sensationnel, l'extraordinaire. Et le sensationnel, l'extraordinaire, c'est quand tout va mal. L'ordinaire, c'est quand tout va bien. C'est de l'ordinaire que j'aimerais que nous nous entretenions aujourd'hui. Le 27 octobre 1971, dans le cadre de cette politique d'authenticité, le bureau politique du Mouvement populaire pour la révolution, le Parti unique, annonce que désormais la République démocratique du Congo s'appellera Zaïre. Ce nom est également donné au fleuve Congo. Avant l'arrivée des Blancs, Congo désignait le fleuve et ses tribus riveraines. Zaïre est un nom forgé par l'envahisseur portugais, une déformation de Nzadi, qui signifie « cours d'eau ». Toujours dans la même optique, l'hymne national et le drapeau du pays changent. Ce n'est que le point de départ de cette politique. En 1972, Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Ce nom signifie en gros « celui qui vole de victoire en victoire ». Malgré les réticences de l'Église, les prénoms chrétiens cèdent la place aux noms africains. Les termes « madame » et « monsieur » sont remplacés par « citoyen » et « citoyenne ». Le costume occidental est proscrit. L'abacoste, qui signifie « abat le costume », le remplace. C'est une tunique au col Mao. Les aïroises, quant à elles, sont invitées à se draper dans un pagne. Le citoyen fondateur n'apparaît plus en public que coiffé d'une toque de léopard. À... Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il est le garant de la nation. Il n'intervient que pour trancher en faveur du peuple. Il ne se mêle même pas de la discussion et encore moins de la dispute. Des millions d'entre vous, notamment les Congolais d'un certain âge, ont certainement reconnu cette voix qu'ils ont écoutée pendant plus de 30 ans. C'est celle du président fondateur Mobutu Sese Seko. Son peuple l'appelait Papa. Le Zaïre, c'était lui, éternel, invincible. Et pourtant, la vie lui aura finalement montré qu'il ne l'était pas tant que cela. 25 novembre 1965, nous sommes au Congo. Putsch au Congo Léopoldville. Un commandant en chef, le général Mobutu, qui destitue le président en exercice, M. Kasavubu, et qui désigne aussitôt un colonel comme premier ministre, le colonel Moulamba, 34 ans. Le coup d'état Victor Vraiment qui vient de se produire au Congo Léopoldville est donc de type classique. Classique également le fait que l'armée ait pris le pouvoir à 3 heures du matin. Ce coup de force est la consécration pour le petit garçon turbulent de Lissala, petit village du Congo belge. Quel parcours! Commençons par le commencement. Joseph Désiré Mobutu voit le jour à Lissala, dans la province septentrionale de l'Équateur au Congo belge, le 14 octobre 1930. Il ne connaît pas son père. Celui qui l'adopte, Bouimani, est cuisinier chez les missionnaires belges. Mais ce père de substitution décède trop tôt pour pouvoir vraiment s'occuper de son éducation. Rejeté par la famille du défunt, Yemo, la mère du jeune Mobutu, est obligée de faire le ménage dans différents couvents de la région pour subvenir aux besoins de sa petite famille. C'est dans ces conditions que le jeune Joseph Désiré Mobutu reçoit une éducation catholique chez les frères flamands, ce qui ne réussit pourtant pas à l'assagir. Il faut dire qu'il est très espiègle. Pour mater l'indiscipliné, une seule solution, l'enrôler de force dans la force publique, l'armée coloniale. C'est en tout cas ce qui est fait en 1950. Bien malgré lui, il essaie de s'adapter aux réalités de l'école centrale de Loulouabourg où il suit sa formation militaire. En 1953, il est sergent comptable et muté à Léopoldville, la capitale.
Grâce à un copain, il entre dans la rédaction du journal de la Force publique. C'est ses premiers pas dans le journalisme. Son pseudo est Bonzi. En 1956, Mobutu est rendu à la vie civile. Il devient alors journaliste à plein temps au journal Actualités africaines. Passionné par le métier, il s'inscrit à l'Association de la presse belge à Bruxelles pour perfectionner ses connaissances. C'est justement pendant qu'il y est qu'il fait la connaissance, en 1960, de l'une des plus importantes personnalités congolaises, Patrice Emery Lumumba, le président du Mouvement National Congolais, MNC. Mobutu séduit, s'accroche à lui et gagne rapidement sa confiance. Si bien qu'en avril 1960, Patrice Lumumba le charge de conduire la délégation de son parti à la table ronde économique à Bruxelles. En juin 1960, le Congo Léopoldville accède à son tour à l'indépendance. Une indépendance dans la douleur. Après un discours du premier souverain belge, le roi Baudouin Ier, qui tient un discours paternaliste et adresse une série de mises en garde aux nouveaux responsables et au peuple, le président Kassavubu répond d'une façon courtoise et pondérée au roi. Patrice Emery Lumumba, qui n'a pas supporté le ton paternaliste du roi Baudouin Ier, oublie le protocole et décide contre tout ordre du jour de prendre la parole, ignorant superbement les cires et autres excellences d'usage. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, le Congo Léopoldville accède à la souveraineté ce 30 juin 1960. Patrice Lumumba, le Premier ministre, fait de Joseph Désiré Mobutu son secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Le Congo belge est indépendant, mais cette indépendance ne signifie pas unité et paix au Congo. De son côté, Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga en juillet 1960. Dans le même temps, Albert Kalonji s'investit empereur des Baluba et chef autonome du Sud Kasaï. Christophe Beignet, dans son fief, instaure une république populaire à Stanleyville. C'est donc un Congo divisé qui arrive à l'indépendance. En juillet 1960, comme si cela ne suffisait pas, la force publique se mutine. Le jeune État, nouvellement indépendant, est dans le chaos. Même le très charismatique Patrice Emery Lumumba ne parvient plus à se faire entendre par les insurgés. Il réintègre alors Mobutu dans la force publique. Il le nomme colonel et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise avant de le charger de négocier la paix. À partir de cet instant, il faudra compter avec ce jeune homme de 30 ans que Lumumba prend pour le fidèle des fidèles. Grossière erreur, il ne va pas tarder à s'en rendre compte la même année. Entre le président Kassavubu et son premier ministre Patrice Lumumba, le torchon brûle en cette fin d'année 1960. Le chef de l'État décide alors de révoquer ce 5 septembre 1960 son premier ministre. Ce dernier décide à son tour de révoquer le président de la République. Commence alors un bras de fer au sommet de l'État. Arrive, comme dans la fable de La Fontaine, un troisième larron qui saisit maître Ali Boron. L'arrestation de M. Patrice Lumumba a créé une vive agitation aux Nations Unies. On sait que M. Hammarskjöld a communiqué à Léopoldville l'inquiétude du groupe afro-asiatique et on suppose qu'il a exprimé l'espoir que M. Lumumba bénéficierait de toute la protection de la justice. On redoute en effet aux Nations Unies que des mesures hâtives et dramatiques ne viennent cristalliser de façon dangereuse la situation au Congo. Une exécution de M. Lumumba risquerait de créer un état de fait qui ne serait plus contrôlable. Bien que l'ONU ne veuille pas se mêler d'une affaire qui semble être du ressort du gouvernement congolais, il apparaît comme indispensable que soit protégé celui que de nombreuses délégations considèrent encore comme le chef légitime du gouvernement congolais. Ici, Pierre Trenès à New York, à vous Paris. Le colonel Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir afin, dit-il, de neutraliser les deux antagonistes. Il appelle alors les étudiants congolais se trouvant à l'étranger et forme avec eux le collège des commissaires généraux pour diriger le pays. Mais que cache le coup de force du colonel Mobutu? Sans doute la mise hors course de Patrice Emery Lumumba, assigné à résidence. Mon colonel, un certain nombre de délégations aux Nations Unies
ont formulé une protestation auprès de M. Hammarskjöld au sujet de l'arrestation de M. Lumumba. Il semble donc que ces pays vous dénient le droit à cette action. Quel est votre sentiment à cet égard? Vous n'ignorez pas que depuis le début de mon action, la RAU, le Maroc, la Guinée, le Ghana, l'Inde ont toujours, n'est-ce pas, comploté contre moi. Et vous le savez très bien, comme vous le savez très bien comme moi, n'est-ce pas, ces pays ont toujours échoué. Pourquoi? Parce que, pour commencer, j'ai l'appui, n'est-ce pas, de la population. Le peuple est derrière moi, n'est-ce pas, et ces pays, s'ils ne cessent pas leur action, ils continueront toujours à connaître des échecs. Lorsque vous avez créé un collège de commissaires généraux, mon colonel, vos intentions, vous l'avez déclaré, était d'instituer un régime de transition, en attendant que les dissensions politiques s'apaisent. Pensez-vous qu'à présent, la situation ait évolué et qu'un régime parlementaire valable puisse s'instituer au Congo? Il est impossible pour le moment de réunir valablement et d'une façon vraiment représentative le Parlement. L'action de mes commissaires généraux continue, comme je l'ai déclaré dans mon message du 14 septembre, jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année. À mon avis, n'est-ce pas, cette action ne doit pas cesser, ne doit pas prendre fin le 31 décembre. À partir du 1er janvier prochain, je compte, n'est-ce pas, changer cette appellation de collège des commissaires généraux en gouvernement provisoire de la République. En gouvernement provisoire de la République, en conservant sans doute le même régime et peut-être même les mêmes hommes. C'est cela, c'est exact. Puis-je vous demander quelle sera votre position à la prochaine conférence de la table ronde, conférence qui doit réunir dans quelques temps, je crois, messieurs Kassavubu, Tshombe et Kalonji et vous-même? Je m'excuse beaucoup, je ne tiens pas du tout à faire partie de cette fameuse table ronde qui est annoncé. Je suis avant tout militaire. Il n'appartient pas à un militaire, n'est-ce pas, de jouer un rôle politique. Si je me suis mêlé, n'est-ce pas, un tout petit peu de la politique, c'était malgré moi, parce qu'il ne fallait pas faire autrement. Maintenant que la situation s'éclaircit, maintenant que l'on voit plus ou moins clair, il appartient aux hommes politiques de faire leur métier. Oui, mais alors, je vais vous demander tout de même peut-être une opinion personnelle. Cette conférence de la table ronde, si elle se réunit, n'est-ce pas, elle prévoyait au départ la présence de M. Lumumba. Est-ce que vous croyez qu'après les événements qui se sont passés hier, M. Lumumba soit encore un interlocuteur possible à cette conférence? Au nom de l'armée nationale, je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini. Vous pensez donc qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer au Congo? Il est bien là où il est pour le moment, n'est-ce pas, en attendant son jugement. Pensez-vous qu'un climat de confiance profitable à l'avenir de la situation économique au Congo, après la neutralisation de M. Lumumba et de ses partisans, pensez-vous que ce climat puisse s'instituer maintenant? Ce climat, à mon avis, existe déjà. La population, n'est-ce pas, s'est rendue compte qu'on l'a trompé. Maintenant, n'est-ce pas, le nombre des chômeurs diminue, n'est-ce pas, les commerçants, les hommes d'affaires sont contents, le chiffre d'affaires augmente, et qu'est-ce qu'il faut encore plus, davantage? Le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu devient maître à Léopoldville. Monsieur Joseph Kassavubu est destitué de ses fonctions de président de la République. 2. Monsieur Evariste Kimba, député national, et déchargé de ses fonctions le formateur du gouvernement. 3. Le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu assumera les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Curieusement, ce coup d'État est bien accueilli par la population. Il apparaît comme l'homme providentiel face au chaos ambiant. Quelque temps après, Joseph Désiré Mobutu va livrer Patrice Emery Lumumba à son pire ennemi, Moïse Tshombe. Le 14 février 1961, le monde entier et l'Afrique en particulier apprennent, abasourdis par les ondes des radios internationales, la mort de Patrice Emery Lumumba. Celui qui rêvait d'un État panafricain a été assassiné aussitôt arrivé au Katanga. Mobutu
est désormais débarrassé de ce personnage encombrant qui lui a pourtant mis le pied à l'étrier. Il est le seul maître à bord du navire Congo. Dès l'année 1966, Mobutu, qui tient bien les rênes du Congo, rebaptise la capitale de son pays. Léopoldville devient Kinshasa. Pour bien marquer son autorité et étouffer toute velléité de sédition, il convie la population congolaise à un spectacle macabre, la pendaison publique de l'ancien premier ministre Évariste Kimba et ses compagnons accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Cette politique de l'exemple va se poursuivre en 1968 avec l'exécution du rebelle Pierre Mulele, rentré au Congo à la suite d'artificielles promesses d'amnistie. Sur le plan économique, le président Mobutu s'avère être un nationaliste pur et dur. Il arrache dès le départ tous les secteurs importants de l'économie que contrôlaient les Belges, notamment l'union minière du Haut-Katanga qui s'occupait des mines de cuivre et de cobalt. Il nationalise au passage le secteur des assurances dominé par les Belges. Bref, il enlève le pain congolais de la bouche des ex-colons, comme il le disait lui-même. Une insolence qui va lui valoir une opposition farouche des Belges. En 1967, le président Mobutu frappe une nouvelle monnaie, le zaïre. À cette époque, compte tenu de la richesse et du potentiel du pays, un zaïre vaut 2 dollars, soit environ 1300 francs CFA d'aujourd'hui. 2 dollars valent actuellement plus de 10 millions de zaïres. Faites-vous-même le rapport. La même année 1967, une rébellion éclate dans l'est du pays. Une fois de plus, le Congo oriental est le théâtre de combats, Limbrayère. Le gouvernement de Kinshasa annoncé que des soldats katangais partisans de M. Tshombe s'étaient mutinés et avaient pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Kivu. En même temps, des mercenaires étrangers arrivés par avion ont occupé l'aérodrome de Kisangani, l'ex-Stanleyville. Le général Mobutu, président du Congo Kinshasa, a proclamé l'état d'urgence. Il fait appel au Conseil de sécurité et à l'organisation de l'unité africaine contre les agresseurs. Et là, je vous propose d'écouter la voix du général Mobutu lorsqu'il s'est adressé au pays. C'est un document que nous avons pu obtenir grâce à l'Office de coopération radiophonique. Citoyennes et citoyens, depuis ce matin, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, est victime d'une agression impérialiste. En effet, dès 6h30, heure de l'Est, deux avions non identifiés ont atterri à Kisangani et y ont débarqué des commandos étrangers qui occupent l'aéroport. Dans le même temps, à Bukavu, des colons étrangers se constituaient en milice et attaquaient les positions de nos troupes. La situation est donc très tendue dans les deux villes que défendent vaillamment nos soldats, victimes d'une agression étrangère. Conformément à l'article 54 de la Constitution, nous avons décrété l'état d'exception sur l'ensemble du territoire national. On confirme de sources diplomatiques que les rebelles contrôlent maintenant complètement la ville de Bukavu. Quant aux mercenaires étrangers débarqués ce matin à Kisangani à bord de deux avions, ils sont, déclare Radio Kinshasa, des agents de l'impérialisme, mais aucun nom de pays étranger n'a été prononcé. À Bruxelles, le ministère des Affaires étrangères annonce que les aérodromes belges sont surveillés depuis quelques jours déjà et qu'aucun départ d'avion correspondant aux caractéristiques données par Kinshasa n'a eu lieu ces derniers jours. Mais déjà, des manifestants congolais ont envahi le siège du consulat de Belgique à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Il n'y a pas eu de blessés. Et puis ce soir à Bruxelles, on parle d'une mutinerie d'une partie de l'armée nationale congolaise. Ce sont des rumeurs qui circulent avec insistance. Oui, dans les milieux informés des affaires congolaises à Bruxelles, on est persuadé que les nouveaux événements du Congo sont le fait d'une mutinerie de l'armée nationale congolaise ou bien des militaires étrangers qu'elle compte dans ses rangs. Pour mettre fin à cette rébellion, Mobutu, dont l'armée est à bout de souffle, fait appel à des mercenaires dont un certain Bob Denard et un autre Jean Schramm. En 1970, Joseph Désiré Mobutu semble avoir réussi à pacifier et unifier son pays. L'année 1971 marque le début d'une politique dite de l'authenticité. Un principe a toujours guidé notre action, celui de l'authenticité. Celle-ci se manifeste en politique par le refus catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque. Et sur le plan économique, par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de l'orientation de notre économie. Ancien journaliste, je connais le goût de la presse pour le sensationnel, l'extraordinaire. Et le sensationnel, l'extraordinaire, c'est quand tout va mal.
L'ordinaire, c'est quand tout va bien. C'est de l'ordinaire que j'aimerais que nous nous entretenions aujourd'hui. Le 27 octobre 1971, dans le cadre de cette politique d'authenticité, le bureau politique du Mouvement populaire pour la Révolution, le Parti unique, annonce que désormais la République démocratique du Congo s'appellera Zaïre. Ce nom est également donné au fleuve Congo. Avant l'arrivée des Blancs, Congo désignait le fleuve et ses tribus riveraines. Zaïre est un nom forgé par l'envahisseur portugais, une déformation de Nzadi, qui signifie « cours d'eau ». Toujours dans la même optique, l'hymne national et le drapeau du pays changent. Ce n'est que le point de départ de cette politique. En 1972, Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Ce nom signifie en gros « celui qui vole de victoire en victoire ». Malgré les réticences de l'Église, les prénoms chrétiens cèdent la place aux noms africains. Les termes « madame » et « monsieur » sont remplacés par « citoyen » et « citoyenne ». Le costume occidental est proscrit. L'abacoste, qui signifie « abat le costume », le remplace. C'est une tunique au col mao. Les aïroises, quant à elles, sont invitées à se draper dans un pagne. Le citoyen fondateur n'apparaît plus en public que coiffé d'une toque de léopard, appuyé sur une lourde canne de bois sculptée à deux têtes d'oiseau, symbole traditionnel d'autorité. C'est cela, l'authenticité. En 1977, la province minière de Chaba est attaquée par d'anciens gendarmes katangais soutenus par l'Angola. Une invasion qui va secouer le régime du président Mobutu. Il ne s'en sortira que grâce à l'intervention d'une force interafricaine menée par le Maroc. Et surtout grâce à l'aide logistique fournie par la France. Le président Valéry Giscard d'Estaing donne les raisons de cet appui. Nous avons répondu à cette aide. Pourquoi ? En le faisant, nous avons voulu donner deux signaux. Un signal de sécurité et un signal de solidarité. D'abord, un signal de sécurité. Je ne veux pas que les États africains, amis de la France, lorsqu'ils sont à l'intérieur de leurs droits et lorsque leur sécurité est menacée, se sentent abandonnés. Ils ne seront pas abandonnés. Cette triste affaire va aboutir à la condamnation à mort de Ngouz Karl Ibond, l'un des barons du régime originaire du Chaba que Mobutu accuse de haute trahison. Il sera finalement gracié. La trêve ne dure pas bien longtemps pour Mobutu. En 1978, les rebelles attaquent encore le Chaba. Une nouvelle fois, le chef de l'État est sauvé par ses amis étrangers. Le président Valéry Giscard d'Estaing s'engage personnellement en envoyant des parachutistes français sauter sur Kolwezi. Capitaine Paul Baril, vous avez participé à cette opération commando. Quelle était votre mission réelle lorsque vous avez sauté sur Kolwezi ? Il s'agissait surtout de sauver des otages, de sauver des Belges, des Français, des ressortissants qui travaillaient sur les sites de la mine Gécamines. Il faut se rappeler que le site minier de la Gécamines est plus grand pratiquement que toute la Belgique. Et c'était une opération en fait humanitaire de sauvegarde. Vous n'allez tout de même pas nous faire croire aujourd'hui encore que cette mission s'est limitée au sauvetage des étrangers vivant à Kolwezi. Mais je conçois aujourd'hui avec recul que cette opération a contribué à sauvegarder le régime du président Mobutu qui avait été un peu bousculé à cette époque. Mais en gros, pourquoi le général Mobutu bénéficiait-il d'une telle sollicitude de la part des Américains et des Français ? On cherchait à stabiliser. Je vous rappellerai qu'à cette époque, il y avait une guerre terrible en Afrique. C'était les communistes contre le monde libre. Et le président Mobutu a lutté également contre les communistes pendant des dizaines et des dizaines d'années en aidant l'Occident, en aidant Savimbi, en luttant contre les pays de l'Est. Mais Capitaine Baril, s'il ne s'agissait que de cela, la Belgique, l'ancienne puissance colonisatrice du Zaïre, aurait pu intervenir, pas la France. Si la France est intervenue, c'est qu'elle y trouvait un certain intérêt national. Le Zaïre est un pays très compliqué. Quand on met la carte du Zaïre, elle couvre l'Europe entière, c'est-à-dire l'Angleterre, et elle couvre l'URSS. C'est plus grand que toute l'Europe entière. Donc c'est un pays qui n'a pas de moyens de communication, qui a peu de routes, etc. Et ce qu'on oublie de dire, et moi aujourd'hui je veux le répéter, je veux le marteler, c'est que la France n'a rien à faire avec le Zaïre.
La tutelle du Zaïre, la tutelle de Mobutu, le malheur de Mobutu, c'est la Belgique. Si aujourd'hui la Belgique est une puissance, c'est-à-dire si la Belgique a eu de l'argent, si elle a pu faire ce qu'elle a fait, cet argent, il vient du Zaïre et de l'ex-Congo belge. Ce sont les Belges, ce sont eux qui ont déstabilisé ces États et qui n'ont pas su tourner la page de la colonisation. La France n'a profité de rien au Zaïre. Et j'affirme aujourd'hui, haut et fort, et personne ne pourra me contredire, que le Zaïre, c'est le Congo belge. Ce sont les Belges qui ont exploité, ce sont cette haine de Mobutu, ces réconciliations avec le roi des Belges, le premier ministre, les allers et retours, etc. Mobutu, en fait, est venu en dernier recours vers la France, mais l'histoire d'amour, de haine, de déchirure, c'est entre la Belgique et Kinshasa et Mobutu. Au seuil des années 80, le Zaïre, durement frappé par les deux invasions armées du Chaba, se trouve au bord de l'asphyxie financière. Il appelle alors le Fonds monétaire international à son chevet. Malgré la politique d'austérité et la nomination de Kengo Wadondo au poste de Premier ministre pour appliquer une politique de rigueur, rien n'y fait. La situation ne fait qu'empirer. Mais le président fondateur, Papa Mobutu, n'a pas dit son dernier mot.